Château-du-Loir est une ville sportive. Personne ne contredira. Jimmy, votre journaliste radio sans qui vos matinales seraient plus tristes, et Natacha, qui croque l'actualité chaque jour dans les colonnes du Maine-Livre avec une sensibilité à fleur de peau, tous deux ont accepté de monter sur les planches et vous entraîner dans un jogging décapant. Oui, un, deux, trois, partez! Et quand tu descends, t'as toujours l'impression que tes talons vont rattraper tes orteils. Moi, ce qui m'inquiète, c'est mes pompes. Une paire par trimestre. Une paire. T'imagines le budget? La photo rond-point, à force de tourner à gauche, tu bouffes de la gomme. C'est comme pour les pneus des bagnoles. C'est ça. On n'a qu'à leur demander de tourner à droite. L'alternance, 6 mois à gauche, 6 mois à droite. Mais que ce soit à gauche ou à droite, bientôt, on n'aura plus rien à se mettre sous la semaine. Mais avec le sport, il faut positiver. Mais normal, Natacha, tout dit, quand on est castellorien, on est dans l'une des villes les plus sportives de la région. Il manque plus, c'est vrai, que les récompenses ou bien de voir quelques élus en short. C'est bien vrai, ça. Ça bouge dans toutes les assos. Une véritable corrida. Un de ces quatre tueurs qui vont nous remettre une course de voiture à pédale au centre-ville. Normal, Natacha, depuis l'ouverture de la fameuse déviation. Moins de trafic, moins de camions et vive les piétons. Allez, on y va. Allez. Pourquoi il y a encore des feux rouges dans cette ville? Un jour, tu verras, on pourra dire descendre direct de l'avenue de Tours jusqu'à Plouf, une paire de palmes, oui, petit. Tu crois pas si bien dire, mon petit Jimmy. Après les 3 heures d'aquagym, la société Ellipse est capable de nous inventer les 24 heures de la palme. Déjà qu'ils nous ont fait de l'aquadance, quoi, les gars, la Saint-Valentin. Et à quand le baiser le plus long en apnée pour le 14 juillet? Le 18 juin. Le 18 juin. Le 18 juin. Pourquoi le 18 juin? Réfléchis un petit peu, Natacha. Le 18 juin, le jour de la peine. On se fout des peines. Bravo. Tu vas un peu fort, Odili. Tu vas perdre ton jeton pour montrer le maître nageur en début de séance d'aquagym. Plus de joker! Justement, parlons du jeton. Moi, quand je suis au maillot de bain au bord du Dassa, comment je fais? Je mets où le jeton? On a beau se marier. Il n'empêche que c'est une belle réussite intercommunautaire. C'est vrai, c'est vrai. Les élus, pour une fois, ont réussi à faire autant pour les ordures ménagères. Monsieur Blanchard, ils ont intercommunalisé la baignade. Ah ah, ils devraient faire la même chose. Toutes les disciplines sportives. Qu'est-ce que tu dis? Là, je fais le sourd, Natacha. Chut, faut éviter les sujets qui fâchent. Chut, pas ce soir. Ça va être du sport à la communauté. Je vois l'annonce dans le canard. Échangerai espace culturel contre maison médicale. Allez, malgré tout ça, notre beau canton de Château-de-Loire est quand même très agréable à vivre, ouvert à la biodiversité humaine, la vie de château, quoi. Je voudrais pas faire les empêcheuses de tourner en rond, mais on sait toujours pas ce que va devenir le trou de l'ancienne piscine. Moi, je sais. Pourquoi pas un décor futuriste pour la prochaine fête des folles? Non, rassurez-vous, c'est pas une gay pride à Château-du-Loir. En prévision, la fête des folles, la fête des fous, le carnaval. Nouvelle formule de l'ECC! Plutôt une fosse, comme au temps des gladiateurs, où s'affronteraient nos candidats à la députation des 10 et 17 juin prochains. Chouette, une jolie cabale comme au temps de l'empereur romain César. Oui, et avec un plateau radio animé par Contact FM. La radio.
essayé d'alterner des numéros, vous l'avez vu depuis le début, avec un rythme. On va revenir maintenant sur une séquence émotion mentaliste, et du mentalisme bien sûr. Et voilà que revient notre Manilas préféré, Guy Roger. Mais cette fois-ci, en compagnie d'une figure de la presse locale, Marcel Sel, correspondant de presse au quotidien Ouest France. C'est un numéro de mentalisme que vous allez assister. Le monde de l'étrange est à vos pieds. La scène des récollets va peut-être vous hypnotiser. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous allons vous transporter dans un monde étrange. Le monde du mentalisme. Et la direction a fait venir spécialement ce soir pour vous un magicien, un mage qui vient du Boukistan inférieur. Vous ne connaissez pas le Boukistan inférieur? Non. Quels sont ceux qui connaissent le Boukistan inférieur? Moi, je l'explique. Si vous êtes à Paris, vous sortez par la porte d'Italie, vous verrez un panneau à gauche, Boukistan. Vous faites 5000 km, c'est tout droit. Arrivé à la mer Caspienne, au lieu de partir vers la gauche, vous allez vers la droite. Et vous verrez à un moment, il y a une église, il y a un boulanger, c'est là, c'est Boukistan. Il n'y a pas à se tromper. Eh bien, spécialement aujourd'hui, je vous présente le mage Oxapu. Oxapu prétend tout savoir, tout connaître. Il peut lire au fond de vos pensées, connaître vos pensées les plus secrètes. Nous allons essayer de le mettre à l'épreuve ce soir. Ça ne vous dérange pas, maître? Pas du tout. Vous allez faire vos voyages? Ça, c'est m'attendu. Changer de conversation, peut-être. Hein? Je vais vous demander de vous retourner, de ne pas regarder. Je vais poser quelques questions comme ça. Alors... Vous ne regardez pas? Voilà. Pouvez-vous me dire l'objet que je montre là? Juste que je désigne ici, là. C'est ce monsieur. C'est un monsieur? Oui, c'est un monsieur, apparemment, oui. Alors c'est une paire? C'est une paire? Oui. De quoi? De lunettes. Bravo, c'est bien, une paire de lunettes. Pouvez-vous me dire les caractéristiques de cette paire de lunettes? Alors, les manches. Les manches. Comment? Les manches, oui. Ils sont en bois, oui, c'est ça. Et les verres en bois aussi. Oui, oui. Vous devez avoir du mal à le voir. C'est une habitude, je pense. Voilà. Ça va, vous êtes toujours avec nous? Tout à fait. Très bien. Pouvez-vous me dire ce que je montre là? Montre. Ah, je montre là? Oui, qu'est-ce que c'est? Une horloge? Non, c'est un peu plus petit. Ah, une montre. Une montre. Enlevez, s'il vous plaît. C'est une montre, exact. Pouvez-vous nous dire la marque de cette montre? Alors, la marque de cette montre? Ce monsieur n'est pas... C'est une dame ou un monsieur? Ben, vous devriez le savoir. Quand on est magicien. Alors, quelle est la marque de cette montre? Eh ben, c'est une marque Solex. C'est une Solex. Ah, c'est une Solex. Vous pouvez voir. C'est étant petit, hein. Oui. Alors, pouvez-vous me dire la position de la petite aiguille? Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire la position de la petite aiguille? La petite aiguille doit être sur le 10. Oui, à peu près, hein, c'est ça? Ah, bah, c'est vrai. Au Boukistan, elle est à 10. Il y a des cages horaires. Et pouvez-vous me dire la position de la grande aiguille? Alors là, maître, ça va être très très difficile parce que il n'y a pas de grande aiguille. Ah, oui, c'est vrai, tiens. Il n'y a pas de grande aiguille. Alors, cette personne-là a acheté sa montre à crédit. Oui, sur le compte. Et la semaine prochaine, elle va acheter la grande aiguille. Ah, d'accord. C'est bien ça. Je vous remercie. Voilà, alors on va passer à autre chose maintenant. Il a pardonné sa montre.
par la montre. Je ne sais pas que la semaine dernière, vous avez récupéré les montres. D'accord. Bon, nous allons passer à des choses un peu plus sérieuses. Hein. J'ai ici un paquet de cartes. Voilà. Des cartes géantes que je prends. Voilà. Des cartes géantes que je vais montrer à plusieurs personnes. Je vais demander à quelques personnes de mélanger des cartes. Vous pouvez les mélanger. On va changer un petit peu. Mélanger les cartes. Est-ce que... Mélanger les cartes. Voilà. Vous mélangez bien les cartes. Ensuite, je vais les récupérer. Voici les cartes par ici, par là. C'est très bien mélangé. Très bien. Alors, je vais aussi demander à quelqu'un de venir... nous aider, tenez, je vois une demoiselle qui n'a rien à faire, là. Elle va prendre son appareil photo, sur le siège. C'était pas prévu, ça. Vous êtes arrivée, madame? Vous pouvez vous monter ici? C'était voilà. Prévu, comment ça, c'est pas prévu? Mais, vous avez bien fait de faire venir une jeune. Tenez, vous prenez un petit paquet de cartes, mettez-vous ici, là, comme ça, vous allez cacher les cartes, les mettre en éventail devant vous, et le maître Orsapu va essayer de deviner ces cartes. Alors vous les cachez bien. Alors est-ce que vous pouvez avoir... Vous recevez des ondes, là? Je vais les garder un peu, là. Ça passe les ondes? Oui, d'accord. Là, c'est bon, là, comme ça. Une à gauche. Voilà, d'accord. Alors allez-y, essayez de trouver les cartes que possède mademoiselle. Vous avez bien trié, maître. Comment ça? Vous avez trié les cartes? Non, je n'ai pas trié les cartes. C'est monsieur Con. Ok, monsieur Con. Voilà. Alors, allez-y. Allez-y. Par un 10 de pique. C'est un 10 de pique. Faites voir, mademoiselle. Ah, 10 de pique, c'est pas vrai. Bravo. Bon, on va continuer. Hein. Le hasard fait bien les choses. Je dis le nom d'une autre carte. Alors, je vous laisse. Alors moi, ça me fend le cœur. C'est un 8 de cœur. Ça me rappelle quelque chose. 8 de cœur. Absolument. Est-ce que vous sentez notre carte là? Vous voulez vous mettre les doigts à gauche et les bouches à droite, ça va être plus simple. Ah bah si, faut simplifier un petit peu. Voilà. C'est possible? Voilà. C'est comme ça, c'est bon là? Est-ce que vous voyez mieux la carte? Oui, je vois. Oui, très bien. Annoncez la carte. Je pense que c'est un roi de trèfle. Vous avez un roi de trèfle?
vous pensez bien à vos... C'est mon crayon que je cherche, école Boukistan. Ah, vous avez dit à la naissance, la voix. Ah, apparemment. Il calcule. J'espère que ça. Vous êtes étonné que c'est discret. Oui, très. Je vais vous me donner la boise discrètement. Et madame, vous allez me dire si c'est ça. Est-ce que c'est ça, madame? Dites bien fort si c'est ça. C'est ça. C'est ça, plus fort. C'est bien c'est ça, ça. Eh bien, d'applaudis. Terminer, mesdames, messieurs, une dernière expérience avec un dictionnaire de 1800 pages de Marc Labrune, Larousse. Labrune. Alors je vais expliquer. Bon, il faut que je change derrière là un petit peu. Vous avez une bonne vue. Vous allez vous mettre en plusieurs, peut-être. On va déterminer une page au hasard. Vraiment au hasard. Alors pour que ce soit au hasard, je vais demander à plusieurs personnes d'entourer un chiffre au hasard. Je vais vous montrer un chiffre. Celui que vous voulez. C'est là, celui-ci. Alors, une autre personne. On continue par là. Un chiffre. Vous pouvez vous entourer un chiffre au hasard. Très bien, je ne sais pas. On va demander au monsieur là. Voulez-vous, s'il vous plaît, entourer un chiffre au hasard. Vous avez fait ce hasard? Alors, 5, 7, 5, 7, 8, 578. Je pense qu'il y a une page 578 quelque part dans le dictionnaire. Alors, surtout, vous ne dites rien. Vous allez regarder en haut le mot qui est écrit en gras, en haut de la page. Vous ne dites rien et. Hop, ça pue. Au X-A-P-U-H, c'est mieux. Voilà, essayez de trouver le mot qui se trouve à la page 578 en haut en gras. Vous ne dites rien? En gras? Oui. Alors, vous avez un mot là? Vous pensez bien? Vous voyez? Vous ne dites rien? Vous l'avez vu le mot? Alors, est-ce que vous avez. La première lettre? Ben, je ne sais pas. C'est un K, K. C'est un K? C'est un K? Un K? Pour que ça pue. Un K. La première lettre, c'est un K. C'est un K qui ça pue. Alors, à la dernière? Un E. C'est ça, un cas au début, un E à la fin. Pouvez-vous écrire si vous avez. J'ai déjà écrit, mais. Ah ben, allez-y, votre chef. Alors, vous cachez. Oui. Vous venez de l'ardoise. Oui. Vous allez nous dire bien fort quel est le mot. Allez-y. Courgane. Courgane. Vous connaissez ce mot-là? Non. Courgane, allez-y. J'ai oublié le R, patron. Ah, Courgane. C'était pas trop mal, hein, Courgane. Patron. Merci. Merci, maître. À l'année prochaine, peut-être. C'est le syndicat du Val-de-Loire qui nous envoie ça. Des sacs comme ça, on en a plein de sous-sol. On ne sait pas quoi en faire. Alors chaque année, ils nous donnent un calendrier. Mais alors, quand tu pommes le calendrier, eh bien, tu sais plus ce qu'il faut mettre à côté de ta poubelle, si c'est le jaune ou le bleu. Alors tu mets les deux. Comme ça, le voisin il peut savoir si tu es un papivore, si
t'es plutôt boîte de conserve, si t'es produit surgelé, ou bien si tu bois du lait. C'est la transparence. Cette année, le syndicat mixte du Val-de-Loire, ben, ils ont fait fort. Ils nous ont proposé des trucs et astuces, ouais, pour préserver l'environnement. Et à lire depuis près, vous allez voir, c'est assez marrant. Petit truc et astuce à appliquer à votre quotidien. Quotidien, déjà, faut savoir où il se trouve. Dans la salle de bain, frottez plusieurs fois par an l'émail de votre lavabo avec un demi-citron. Alors, t'es là, dans ta salle de bain. T'as un quart d'heure pour aller au boulot. Et on te demande de couper un citron en deux pour frotter ton lavabo. Tu te dis le citron, on verra demain. Détartrez régulièrement le pommeau de douche en le faisant tremper dans de l'eau vinaigrée et chaude. Faites chauffer le reste du vinaigre pur et frottez les parois de votre douche pour enlever le tartre. T'es toujours dans ta salle de bain. T'es à poil. Le vinaigre commence à te piquer les yeux. Et le reste. Et tu viens de rater l'heure du boulot. Tache de graisse ou d'huile saupoudrée d'argile. Tu la trouves où, l'argile? Pour une tache sèche, utilisez le jus de citron ou de l'eau vinaigrée. Et pour une tache mouillée, fait quoi? Tache de vin rouge, passez immédiatement du vin blanc, puis du sel. Ah, ça pousse à la consommation. On voit qu'on est dans un pays de vin. Entretien de vos meubles. Pour une tache d'eau sur un meuble ciré, passez longuement un bouchon de liège sur la tache. Ça, c'est le comble. Pour enlever de l'eau, il va falloir que tu débouches une bouteille de vin. Et c'est la troisième depuis le début. Dans la cuisine, ben vous verrez un jour, le syndicat mixte, il viendra même dans notre chambre. Dans la cuisine, pour nettoyer votre planche à découper, saupoudrez de bicarbonate de soude, frottez, pincez. Ah, le bicarbonate, vous pouvez vous en mettre sous les aisselles, oui, entre les orteils, et même sur la brosse à dents, pour blanchir les dents. Ah oui, oui. Et comme ça, vous avez la laine. Et vous sentez bon, et la laine Val-de-Loire. Recommandation. Cet automne, n'oubliez pas de réserver auprès de votre syndicat un citronnier et un vinaigrier. Et comme ça, c'est du bonheur!